Jean Castex n'a jamais caché sa passion des rails. Avant de devenir Premier ministre, il rêvait d'ailleurs de devenir patron de la SNCF. À défaut, il aura pu jouer les chefs de bord pour inaugurer le train de nuit Paris-Nice. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Je vous souhaite la bienvenue à bord du train intercité de nuit numéro 5773 à destination de Nice-Ville. Exceptionnellement, ce n'est pas votre chef de bord qui vous parle, mais le Premier ministre. C'est un honneur et un vrai bonheur d'effectuer avec vous ce trajet. Séquence culte qui a pu inspirer Emmanuel Macron au moment de choisir le remplaçant de l'ancienne patronne de la RATP, Catherine Guihouard, partie contre toute attente pour devenir proche aidante auprès de ses parents. Le président avait bien mandaté un cabinet de recrutement pour l'aider à trouver la perle rare, cabinet qui croulait sous les CV. Ils auraient reçu celui d'Alain Krakowicz, patron de Voyage SNCF, ou encore celui de Thierry Dallard, ancien président de la Société du Grand Paris, candidats tous très expérimentés, mais sans doute moins passionnés que Jean Castex. Si vous pensez que j'aime les trains, les métros et les transports collectifs, vous ne vous trompez pas, mesdames et messieurs. Les transports collectifs sont au cœur de nos politiques publiques. Les investissements annuels de la RATP ont cru de 70% entre 2017 et 2022. Comme je dis souvent, l'amour, c'est bien, les preuves d'amour, c'est mieux. À ce moment-là, il est encore Premier ministre, mais part déjà comme un PDG de la RATP. Sa reconversion aurait donc pu paraître évidente, sauf qu'elle pose question. Et Jean Castex, sans doute, lui aussi, puisque c'est lui-même qui a saisi la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, instance chargée de traquer notamment d'éventuels conflits d'intérêts lors de la nomination d'un ancien ministre, par exemple, dans une entreprise, pour rendre un avis sur cette prise de fonction, avis qui a été rendu la semaine dernière. Regardez, si Jean Castex peut diriger la RATP, il doit s'abstenir de toute démarche auprès des membres du gouvernement en exercice, qu'il était également lorsqu'il était Premier ministre, et ce pendant 3 ans. Donc concrètement, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique craint que Jean Castex, PDG de la RATP, bénéficie de ses contacts privilégiés au gouvernement pour manœuvrer en faveur des intérêts de son entreprise. Pour éviter cela, donc, Jean Castex ne pourra pas contacter ses anciens collègues. Donc, en cas de grève de la RATP, par exemple, il ne pourra pas contacter... Décrocher son téléphone et prévenir le ministre des Transports. Le ministre des Transports, Clément Beaune. En revanche, Clément Beaune, lui, il peut décrocher son téléphone et appeler le Premier ministre. Situation kafkaïenne, on n'y comprend rien. Et c'est ce qu'a tenté d'expliquer, pourtant sans difficulté, le ministre des Transports, Assalia Braclia et Marc Fauvel sur France Info. Je peux évidemment, si Jean Castex, après audition par le Parlement, est nommé, comme président de la RATP, l'appeler, avoir un rendez-vous professionnel avec lui. Heureusement, comme il est transport, je peux exercer cette compétence. Vous pouvez l'appeler, mais lui, est-ce qu'il a le droit de vous appeler? Je crois que ce qui est entendu, si j'ai bien compris l'interprétation par démarche, c'est qu'il ne peut pas, hors cadre professionnel d'une part, et même dans le cadre professionnel, prendre l'initiative de m'appeler ou d'appeler Elisabeth Borne ou d'appeler Bruno Le Maire. Vous voyez le côté quand même il ne peut pas vous appeler, mais vous pouvez l'appeler. Bonsoir Didier Migaud. Bonsoir. Président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, chargé entre autres donc de la prévention des conflits d'intérêts des principaux dirigeants publics. On est ravis de vous accueillir, alors que votre avis, donc favorable à la nomination de Jean Castex à la RATP. Oui, on aurait tendance à l'oublier. Non, d'ailleurs. C'est un feu vert, et c'est un feu vert un peu orange, si je puis me permettre. Ça laisse un peu perplexe. Vous comprenez qu'on trouve ça absurde, voire un peu hypocrite, de lui interdire d'appeler, par exemple, Clément Beaune, mais que Clément Beaune puisse, lui, l'appeler. Parce qu'au final, ils vont se parler, non? Donc le conflit d'intérêts est toujours possible une fois que la conversation a démarré. C'est caricaturer un peu les situations. Est-ce que vous croyez, d'ailleurs, très sincèrement, que la fonction du président de la RATP, c'est d'appeler tous les 4 matins le ministre des Transports? Le prévenir en cas de grève. Mais le prévenir en cas de grève, il pourra tout à fait le faire. Nous n'avons absolument pas interdit tout contact, toute relation. Si vous regardez le raisonnement de la Haute Autorité, nous avons donné un avis de compatibilité. Nous avons regardé 3 choses. Le risque pénal, à partir du moment où il y avait un certain nombre d'actes pris par le Premier ministre, nous avons écarté le risque pénal en considérant qu'il agissait dans le cadre du pouvoir réglementaire qui est celui du Premier ministre. Donc ça nous a autorisé à écarter le risque pénal. Ensuite, nous avons regardé le risque déontologique. A-t-il préparé son départ ?
Bon. Et avait-il, son arrivée à la RATP. Avait-il, avait-il anticipé le fait d'être nommé président de la RATP? Ça, vous avez sondé détecteurs de mensonges? Non, mais rien ne prouve qu'il a préparé, en tout cas, sa sortie. D'ailleurs, j'ai pu lire que tout cela avait été décidé 2 jours avant l'avis de la Haute Autorité. C'est du roman. Ouais. Nous avons été saisis le 29 septembre. C'est-à-dire 3 semaines avant de remettre notre avis, ce qui nous a permis d'instruire ce dossier. Donc nous avons écarté le risque. Troisième chose, la RATP, beaucoup l'oublient, a des activités concurrentielles. Et d'ailleurs, tout ce qui concerne les lignes de bus dans la petite couronne s'ouvre à la concurrence à partir de 2025 et ça se prépare. Et nous devons être attentifs à ce que jamais la neutralité et l'indépendance de l'administration puissent être mises en cause. Donc nous avons dit, dans ce cadre-là, il doit s'abstenir de toute démarche à son initiative pour, en fait, jouer de ses anciennes fonctions pour fausser la concurrence. Par rapport à, que pourraient dire les concurrents si Jean Castex profitait de son ancienne fonction? Donc nous sommes dans notre rôle. Et je suis étonné qu'on ne le comprenne pas. Je suis... Non mais j'entends tout, c'est absurde, etc. C'est absurde, c'est hypocrite, c'est une façon de désavouer la décision du président, c'est presque tout, politique. Mais pas du tout, j'ai même lu qu'on allait lui interdire tout contact, l'empêcher, mais pas du tout. D'ailleurs, je suis étonné qu'on ne lise pas avec davantage d'attention ce qui est l'avis de la Haute Autorité. Parce que ce paragraphe que vous avez cité, il est en lien avec le paragraphe précédent, puisque vous avez d'ailleurs au début de ce paragraphe à cet effet. Et le paragraphe précédent parle des activités concurrentielles de la RATP. De l'ouverture de l'autorité. Bon, d'accord. Et l'ouverture dans ce à la cadre-là qu'il n'aura pas le droit de décrocher son téléphone. Bien évidemment, parce que du coup, ça peut mettre en cause l'indépendance et la neutralité de l'administration. Alors, pour que tout soit clair. Donc, mais s'il y a une grève. S'il y a un attentat, j'ai vu. C'est un attentat, évidemment, il n'attend pas qu'on l'appelle dans son bureau. Mais bien évidemment. C'est pensé quand même que le collège de la Haute Autorité est complètement stupide. Donc, on vous a vexé. On vous a vexé, Didier. Non, mais je suis quand même étonné. Alors, il aurait fallu que Clément Beaune soit plus clair dans ses explications. Il semblait que lui-même n'ait pas bien compris. Clément Beaune, d'autres, c'est pas, j'en sais rien. Ouais. Si lui-même n'a pas compris, je suis prêt à lui expliquer davantage. JO, j'ai l'impression qu'il a finalement compris. Oui, je pense. Parce que c'est là qu'on s'interroge, des questions de sécurité, les JO arrivent, le mondial mais de rugby. Mais ça n'empêchera absolument pas l'ancien Premier ministre d'échanger avec les responsables.